Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Domi Scrap Loisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tuto, une mise en couleur d'un tampon. J'ai trouvé ce dessin, ce motif super joli, le petit garçon qui regarde la grenouille là. Et voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour faire et je vais le faire devant vous. Donc, on va utiliser ce bloc de tampon, si, voilà, que vous voyez là. Et puis, j'ai utilisé du papier canson Aquarellab, 300 mg, j'utilise celui-ci. Je trouve très bien pour aquareller les tampons, c'est super. C'est un papier très très épais et voilà. Et pour la mise en couleur, j'ai utilisé ces crayons là, Lyra. C'est des aquabrush. Il y a deux mines, hein, c'est des crayons. Il y a une mine pinceau et une mine écriture. Voilà. Ça. Et j'ai aussi utilisé certains crayons des Tombeaux. C'est des crayons aquarellables, toujours. Et pareil, c'est de la même principe, mine pinceau et mine écriture. J'ai utilisé ce vert-là, ce vert-ci, ce bleu, le petit orange pour faire le petit écharpe qu'il a derrière là, le petit foulard, les cheveux, je l'ai fait en jaune, les cheveux, la casquette en parme, donc j'ai pris ce parme là, le tronc d'arbre, j'ai pris du marron, voilà, ces deux là, j'ai pris 6 couleurs. Donc, voilà ce que j'ai pris. Et j'ai pris aussi essentiellement mon pinceau à réservoir d'eau. Ce pinceau-là est un pinceau à réservoir d'eau, comme le nom l'indique. Et un réservoir d'eau là, et c'est une mine pinceau. Voilà ce que je vais utiliser pour faire cette mise en couleur de ce motif là. Donc maintenant je vous retrouve dans la vidéo pour le tuto. Donc je vais d'abord le tamponner avec de l'encre Stazol. C'est une encre à solvant qui s'utilise aussi avec pour les crayons Aquarellab. Donc c'est une encre aussi que l'on peut utiliser sur tout support. Le carton, le métal, le papier, alors bien entendu le papier, le métal, le verre, les plastiques, voilà. Et c'est une encre, bon, qu'il faut laisser sécher quelques minutes, et voilà. Par contre, c'est une encre qui ne se retire, le solvant spécial nettoyant Stazone. Donc voilà, je tenais quand même à vous en avertir. Je tamponne. Et c'est une encre aussi qui se recharge. Si on trouve qu'elle n'est pas assez, il n'y a pas assez de produit Stazone dessus, noir, eh bien on peut recharger le pad. Intéressant parce que quelquefois une fois que le pad est sec et surtout bien rebouché une fois qu'on ne l'a plus utilisé, hein, qu'on ne l'utilise plus. Voilà,
Si on trouve que c'est pas assez marqué, eh bien il suffit de retamponner une deuxième fois, bien reboucher. Ce qui est pratique avec la planche de tampon que j'ai là, que j'utilise, eh bien on peut refaire un tamponnage sur le tampon que j'avais déjà utilisé. Ça ne marque ça, le papier ne bougera pas, donc c'est très pratique. Donc surtout tout de suite nettoyer le pal avec le solvant, l'encre, sinon votre tampon est fichu, hein. Surtout ne pas, alors même tout en nettoyant avec le, en le nettoyant tout de suite, c'est vrai que le tampon reste un peu noir, hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais en le nettoyant tout de suite, forcément, ça aide. Je repasse une deuxième fois. Excusez-moi du bruit, ça résonne peut-être dans le... Donc je reviens, ça y est, j'ai nettoyé le tampon et le tamponnage est fait. Donc vous voyez... Regardez comment c'est, les détails, on le voit, c'est superbe. Regardez les détails, super joli, hein, très très joli. Donc maintenant, on va le mettre en couleur avec les crayons aquarellables. Donc comme je procède, moi, j'ai tamponné mon tampon sur le papier de Canson aquarellable. Et maintenant, on va le faire en mise en couleur. Donc, je vais utiliser plusieurs couleurs. Ce que je fais, moi, j'ai l'habitude de faire, je prends une feuille de, une chemise de transparente que l'on utilise pour mettre dans les classeurs. Et je mets une feuille blanche en dessous, comme ça, sur ce papier là, je fais des essais de couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est mieux sur mon pad? Parce que si je le fais carrément sur du transparent tout seul, regardez, on ne voit pas. Que si je le fais là, forcément, on voit un peu la couleur. Donc, ce que je vais faire, voilà. Bon, après la mise en couleur, je pense que je vais la faire en musique, hein, en accéléré. Tout le monde sait faire les mises en couleur. Je ne vais pas le... Et pour la mise en couleur aussi, on fait son mélange avec les crayons aquarellables. Ce qui permet de faire la mise en couleur. Ce qu'il est possible aussi, c'est de mettre son... pour faire des reliefs et de jouer avec son pinceau. Et de tirer
Est-ce que je suis dans le champ? On va faire la petite salopette bleue. J'espère que vous voyez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu. On étire bien la couleur pour faire un peu de relief, hein. Donc là, je mets un peu de crayon sur ma... Il faut pas hésiter à remettre du crayon, ces crayons-là, sur le papier aquarellable. Je vous le montrerai. En mauve. On étire bien la couleur, hein. N'hésite pas. On reprend un peu de couleur si on trouve que c'est trop fade.
web. Je vais prendre du vert. Je sais pas ce que ça fait comme vert, ça. Donc je vais faire l'herbe. Je vais prendre du vert. Ça fait comme vert, ça. On va la faire en vert aussi. Donc je pense que je vais faire ce vert là parce que j'aime bien ce vert là. Ouais, ça me paraît bien ce vert là.